Ne me laisse pas quand je suis seul. Ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui me pressent. Je ne sais quoi faire, je suis seul. Mettons-nous tous debout en acclamant très fort le roi des rois qui est au milieu de nous ce matin. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait David qui a dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et j'espère que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes animés par la même pensée. Cette joie-là qu'avait David, nous aussi nous avons cela par le Saint-Esprit. Et s'il y a de la joie, j'aimerais que tu puisses communiquer la joie à ton frère et à ta soeur qui est à gauche ou à ta droite, en lui saluant aussi, en lui disant shalom, que Dieu te bénisse, parce que Dieu est au milieu de nous. Là où il y a la présence de Dieu, on ne peut pas être dans la tristesse, on ne peut pas être dans les douleurs, peu importe les circonstances par lesquelles nous traversons, mais Dieu est au rendez-vous et nous avons la joie dans sa présence. Nous allons prier pour recommander notre culte entre les mains du Seigneur. Nous fermons nos yeux dans la présence de Dieu. Éternel, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci pour la force, merci pour la passion, merci pour la soif que tu as mis en nous afin que nous venions te chercher. Nous te recommandons, Seigneur, ces instants. Nous ne savons pas comment est-ce que nous devons t'adorer. Laisse que ton esprit puisse nous aider à t'adorer, en esprit et en vérité. Débute avec nous et termine avec nous ce culte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire notre première lecture de ce matin dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Amen. Tu es saint. Tu es saint. Saint.
nous te disons merci. Éternel, nous te disons merci, toi, notre roi. Nous te disons merci parce que c'est un privilège d'être en ta présence en ce matin, Yahweh. Nous sommes privilégiés, Seigneur, d'être en ta présence parce que tu es notre roi. Nous sommes privilégiés ce matin parce qu'en ta présence, nous sommes bénis. Yahweh, nous te disons merci pour le don de la vie que tu as renouvelé en tout un chacun. Éternel, nous te disons merci parce que nous savons qu'en cette journée, tu vas faire des grandes choses dans nos vies. Éternel, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Tu nous as donné la force, Seigneur. De nos cœurs. Éternel, parce que tu es saint, est-ce que par le sang qui a coulé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance, le sang par lequel tu as dit
Tu as effacé les actes qui nous condamnaient. Le sang par lequel, Seigneur, tu nous as justifiés. Parce que tu es un Dieu saint. Laisse que le sang qui a coulé sur la croix puisse enlever la souillure dans nos vies en ce matin. Parce que tu es un Dieu saint. Éternel, parce que tu es saint. Laisse que le sang qui a coulé sur la croix puisse enlever la souillure dans nos vies. Éternel, par le sang qui a coulé sur la croix, tu as effacé les actes qui nous condamnaient. Seigneur, ce matin, nous effaçons tout acte qui nous condamne, Yahweh, parce que tu es un Dieu saint. Éternel, parce que tu es un Dieu saint, tu as dit en ta parole, tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction, Yahweh. Tu es un Dieu saint. Éternel, tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu qui fait exception de personne. Éternel, ce que tu attends de nous ce matin, c'est de faire ta volonté. Éternel, et par ta volonté, tu attends de nous l'obéissance en ta parole. Seigneur, par l'obéissance en ta parole, tu voudrais que nous puissions marcher dans l'amour. Tu voudrais que nous marchions dans l'amour. Oui, tu nous dis en ta parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu as dit, il y a un commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Éternel, parce que tu es un Dieu saint, nous devons marcher dans l'amour. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Par-dessus tout, Seigneur, nous devons t'aimer. Nous devons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, Yahweh. Dieu saint, toi le Dieu qui fait exception de personne, nous voici en ta présence ce matin, roi de gloire, nous voici en ta présence en ce matin, le Dieu redoutable, Seigneur, nous ne regardons qu'à toi, Éternel, nous voici, parce que nous croyons en toi, nous sommes en ces lieux, parce que nous avons foi en toi, Éternel, nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses en ce matin, Yahweh. Éternel, nous t'élévons au-dessus de toutes choses en ce matin, Yahweh. Éternel, nul ne peut tenir devant toi. Éternel, tu es le Dieu digne d'être élevé. Nous te disons ce matin que tu es digne, le Dieu digne d'être adoré, Seigneur. Tu es un Dieu saint, Yahweh.
dort ni ne sommeille, c'est toi, Père. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Yahweh. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses en ce matin. Éternel, établis ton règne dans ton église. Éternel, établis ton règne dans nos cœurs. Éternel, nous voulons te ressembler en ce matin. Nous voulons te ressembler, Yahweh, parce que tu es un Dieu saint. Éternel, nous avons besoin de toi. Laisse que ta lumière puisse nous éclairer, Yahweh, en ce matin. Parce que tu es un Dieu saint. Que la lumière du Saint-Esprit puisse éclairer nos cœurs. Que ta lumière éternelle puisse nous montrer le chemin. Éternel, tu es le chemin de nos vies. Laisse que ta lumière éclaire les ténèbres de nos vies en cette journée. Oh Yahweh, que ta lumière éclaire les ténèbres de nos vies. Père de gloire, toi le Dieu qui fait tout pour nous, Seigneur. Toi qui es la solution à tous nos problèmes. Nous sommes en ta présence et nous sommes dans la joie de venir te célébrer en cette journée. Laisse que ton feu puisse consumer tout ce qui est du diable dans nos vies en ce matin. Éternel, que le feu du Saint-Esprit nous aiguise. Que ton feu consume tout ce qui est sémence de rébellion dans nos vies. Parce que nous voulons te ressembler, toi le Dieu saint. Éternel, nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables, Seigneur. C'est toi qui nous rends capables par le Saint-Esprit. Laisse que ta parole puisse demeurer en nos cœurs en ce matin, Seigneur. Parle-nous au travers de ta parole, Seigneur. Laisse que ta parole puisse nous délivrer, Yahweh. Que ta parole puisse changer nos cœurs. Parce que toi, tu es le Dieu qui change les circonstances de nos vies. Éternel, tu es un Dieu constant. Éternel, tu es un Dieu juste. Raison pour laquelle nous venons te célébrer. Parce que tu dis en ta parole que tu bénis l'œuvre de nos mains. Laisse qu'en ce matin, en cette nouvelle journée que tu nous accordes, que tu puisses bénir l'œuvre de nos mains, Yahweh. Parce que tu es notre roi, le Dieu qui nous fait du bien, Seigneur. Laisse que tu puisses bénir nos pieds, que nos pieds nous amènent, Seigneur, en cette journée. Nous sommes à l'adresse de notre bénédiction, Seigneur. Oui, nous reconnaissons qu'en ce matin, c'est ici l'adresse de nos bénédictions, Père de gloire. Éternel, nous te disons merci pour ta présence en ces lieux. Éternel, nous reconnaissons que tu es au milieu de nous. Tombolima bongo, Goku misa, ko
Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur, nous acclamons le roi de gloire, acclamons le roi de gloire, nous acclamons le roi de gloire, parce que l'Éternel est au milieu de nous, l'Éternel est présent, l'Éternel est vivant, l'Éternel est réel. Nous te disons merci, notre Seigneur, nous te disons merci, notre roi, toi qui as renouvelé le souffle de vie en tout un chacun ce matin. Tu nous as fait don de la vie. Tu nous as fait don de la vie. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Raison pour laquelle nous te célébrons, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus seul, Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul, ce matin. Jésus seul parmi nous, ce matin, Jésus. Tu n'as pas raison de te taire ce matin. Tu n'as pas raison de garder silence. Tu n'as pas raison d'observer ton voisin. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Et ton calme ce matin, car le Seigneur a tant fait pour toi. Le Seigneur a fait beaucoup pour toi. Jésus, 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 Jésus. Aujourd'hui,
On a assez de micros. Amen. Je suis dans la joie aujourd'hui. Nazalina et Sengolelo. Parce que l'Éternel a permis que nous soyons là tous ensemble. Nous sortons de 4 jours de prière en ce lieu. Selon la recommandation de notre Dieu. Et Dieu est vivant. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Nous allons prendre la Bible. Et nous allons lire la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 7. Versets 11 à 17. Molongo ya zomi na moko kino zomi na sambo. Je lis au nom du Seigneur. Ensuite, Jésus s'est rendu dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait les fils uniques d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit, « Ne pleure pas !» Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, saisit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et il a ajouté, « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » C'est la parole du Seigneur. Père Saint, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour le souffle de vie, pour mon frère et ma sœur. Nous prions, Seigneur, que toi seul tu nous utilises. Enfin encore, ô Dieu, ce qui sortira de moi vienne de toi. Illumine-moi, au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je disais que je rendais grâce à Dieu pour son amour à notre égard. Il nous avait fait une recommandation en nous disant que dans cette église, sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous avons pris l'engagement de pouvoir le chercher la dernière semaine de chaque mois. Au rendez-vous la dernière semaine. Je te dis vrai que l'Éternel était au rendez-vous. Depuis le dimanche passé que nous avons commencé, nous avons eu un repos le lundi. Nous avons eu le repos lundi. Et tu as eu un repos le lundi. Nous avons enchaîné. On s'est reposé le samedi hier. Et aujourd'hui, nous clôturons avec la Sainte Cène. Nous avons intitulé notre thème. Jésus, c'était quoi? Qui peut me rappeler? Amen. Jésus-Christ plus fort que la tempête. Et c'était les jours de gloire. Du
Du début à la fin, nous avons eu à expérimenter la gloire de Dieu en ce lieu. Et je sais que nous sommes toujours dans cette gloire. Nous avons eu des témoignages. Et l'Éternel continue à nous faire du bien. Ceux qui étaient là, à un moment donné, il y avait un frère qui avait deux yeux qu'il ne savait pas voir. Et nous l'avons fait regarder cette lumière. Et le vendredi, il avait témoigné. Ce frère était complètement guéri. Je crois qu'il est là, il peut lever sa main. Alléluia, acclamons Jésus. Jésus-Christ, et il y avait des tics au tac. Comme nous disons toujours, quand les gens disent que oh yo Satan y a un embang ou y a un zambé y a un malin, moi je dis c'est faux. Parce que Dieu, notre Dieu, il est je suis. Son nom c'est Jésus. Il ne fait pas des choses non, demain ou après demain, non. En fait, c'est ta foi qui va faire en sorte que tu expérimentes la gloire de Dieu. Plusieurs fois, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Ceux qui étaient là le vendredi lorsque ce frère témoignait, il a dit après que j'ai prié pour lui, il avait encore plus mal qu'avant. Là, il ne savait même plus voir. Ah, mais il s'est dit à lui que le pasteur Manassé avait dit, si nous avons la foi, nous allons déplacer les montagnes. Et il avait fait allusion à l'auto-délivrance que nous avons fait à ce lieu. Et du coup, il était guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Nzambe aza na bomoi. Et il nous fait du bien à chaque moment. Nous allons clôturer aujourd'hui notre temps de prière avec le Seigneur. Le thème ou le sous-thème d'aujourd'hui, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Nzambe atali libota naye. Un jour, mokolo moko, comme la Bible le dit, lolenge biblia ezali koloba, Jésus venait de terminer un travail avec le esclave d'un officier. Et solo ete Yesu ayebaki na koeba kosili sa mosala moko koleka ete na mombo ya mokonzi moko ya ba soldat mbolombolo. Qui était venu supplier à Jésus pour son esclave qui était malade. Et après que ce service était fini, Jésus continua. C'était le jour suivant. Et il allait dans une ville. Et ses disciples étaient avec lui.
il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Ils avaient vu le miracle que Jésus avait fait. Surtout que le nom de Jésus allait de bouche à l'oreille. Ce n'est pas comme aujourd'hui où nous faisons de publicité à la télé. Venez tel jour vivre le miracle. Jésus, ce n'était pas comme ça. Jésus, sa présence était un miracle. Jésus-Christ, sa présence, c'était un miracle. Lorsqu'il arrive quelque part, les choses bougent de soi-même. Et ce qui vivait, ce que Jésus faisait, ceux qui allaient dire aux autres, tu connais Jésus. Alors, je dis, mais quel Jésus? Non, le garçon là qui était né ici, le fils de Marie. Et l'autre qui dit, l'enfant du charpentier. Oui. Yo. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais je sais que comme son père fabriquait des chaises, certainement il a fabriqué des chaises. Non, ce n'est pas ça. Il est en train de guérir le malade. Non, il ne faut pas dire ça. Mais je te dis, il parle seulement. Non, lui, Jésus parle seulement. Lorsque parle le malade, son guéri. C'est vrai. Mais nous venons de vivre un événement tout de suite là. Tu connais ce général là? Non, ce général là, le général. Ce général là, il n'est même pas de notre quartier. Mais c'était un homme bien quand même, il nous aidait dans le quartier. Mais son esclave malade, Jésus est venu, il a guéri son esclave. Et toi qui es juif, allez-y Jésus. Alléluia. Amen. C'était comme ça. Ezalakande bongo. C'était comme ça. Ezalakande bongo. C'était pas que Jésus va arriver à Maman Mobutu et déjà la publicité à la télé, venez vivre le miracle, non. Ezalakande te Yesu aye na sitema Mobutu batuna baitende ke bazali ko bate boya ko ba kobika bikama te. Alors il était en train d'aller dans cette ville de Naïn. Bongo ye abandaki ko kende na kat na engumba wana na kombo Naïm. Il était avec ses disciples. Azalaka elongo na bayeko. Et la foule le suivait. Pe ebele na bato abandaki ko landa ye. Ah, lui-même était là, les gens le suivaient. Ye moko ataki wana bato bazali ko landa ye na sim. Alléluia. Amen. En entrant dans la ville, na kokota na ye kati na engumba. On va voir des gens avec un cercueil. Bakomona été bato na sanduku ya ebembe. On a amené un corps pour l'enterrer. Batali ko mema nzoto moko ya moweyi pona kokunda yango. Jésus regarda. Yesu atali. Il a vu comment les gens étaient en train de pleurer. A moi de l'engini bato banaki kolela. La Bible me dit c'était la fille d'une veuve. La fille unique de cette veuve. Elle pleurait. Et tout le monde pleurait avec elle. Vous savez comment les gens pleurent lorsqu'une personne est morte. Bon, je vais vous faire rire un peu. Mon maître, ce n'est pas un problème, hein? On va juste rire un peu. Hein? Dans la voiture,
Nous allons avec le petit, il est vainqueur, hein? Oui. Vainqueur à la Goli. Était vainqueur à Komipena na Souka. On partait. Toza kokende. On arrive au niveau de triangle ici. Tokomi était na ngambo ya triangle awa. J'attends derrière moi. Naoki sima na ngai. Mais je crie. Ah, j'avais ce que je disais. Quoi ba kolela nzambe. Crier derrière, pleurer. Sali quoi ba ko ganga kolela. Moi je regarde comme ça. Ngana tali boye. Je dis, hé hey, mon Dieu. J'ai commencé à chanter. Nabandi koyemba. Elonga ezali namakila ma Yesu. Elonga ezali namakila ma Yesu. Yesu alonga liwa e. Alléluia. Amen. On arrive à l'hôpital. Tokomi nanda kwa munganga. Tout le monde descend. Il y avait une maman qui était là à côté. En tout cas, maman Esther, toi aussi. Maman Esther avait porté le pan qui était normal jusque là. Et elle change de position de comment porter le pan. Elle raccourcit. Elle prend notre pan. Elle ferme bien la sauce. Et l'autre maman s'écoutait. Bon, papa, maman, vous soyez qui pèmbe. Elle la tient comme ça. Aïe, pèmbe. Maintenant, ma mère est en train de se jeter. C'est comme ma mère est en train de se jeter. Ah, ça va. Alléluia. C'est l'autre maman là. Maman, vous soyez là. Alléluia. Maman Sarah jouait le 8. Hein? Tu étais avec nous, non? Elle jouait au 8 parce qu'elle était médiatrice. C'était comme une équipe de football. Maman Esther elle-même joue le 9. Et il y avait une autre maman, le 10. Celle qui tenait Maman Esther là. Maman Sarah, oui, il cherche des ballons pour faire des passes. Ah, maman Sarah, il a un numéro à Mwambe, il a dit qu'il y a un numéro pour te faire ça. Je dis à papa Ilonga, reste avec moi dans la voiture. Ah, bon, on va te papa Ilonga, tu es dans la moto. Tu es ton enfant. Mais maman, on a un. Je dis, Seigneur, Alubin Kolo, cette femme si oyo, n'est pas venue vers moi. Ayaki et pas Nangate. Moi, j'étais à Lemba. C'était notre première expérience ici à Mamamobutu. Je dis, c'est toi qui m'as envoyé à Mamamobutu. Si était Mamamobutu. Alors, si c'est toi qui m'as envoyé. Cette femme est venue vers toi. Moi, si oyo aye epa na yo. Donne la vie à cet enfant. Amen. Amen. C'était comme ça, non? Maxime Mingité. On sera avec l'enfant. L'infirmière prend l'enfant. L'infirmière croyait que moi je voulais fuir. Elle me dit non, coquille, non, tchav, dit. Oh, dit maman, je ne pars pas. Maman. Toi prends l'enfant. Yone kamata mwana. On entre. Tomati. Il n'y avait même pas plus de 5 minutes. Hein. Non. Quelques minutes, l'enfant va tousser. Bon, dans bonne minute, mwana abandi koeba kokosol. Même l'infirmière a sursauté un peu. Et l'enfant était revenu à la vie. Bongo mwana azonga kinabo. Alléluia. Les médecins vont regarder l'enfant. Ils vont dire, mais prenez l'enfant, rentrez avec lui parce qu'il n'a rien. Moi, j'ai dit non. Toi, tu disais que moi, je voulais fuir.
Tu vas rester avec cet enfant ici. Alléluia. Là, c'est mon commentaire. Non, vous pouvez partir avec lui, il n'y a pas de problème. J'ai dit oui, mais continuez à contrôler, à vérifier. Et si vous trouvez réellement qu'il n'y a rien, vous allez laisser sortir la maman et l'enfant. Est-ce que vous pouvez comprendre? Un enfant qui était malade, il va piquer une crise maintenant. Pendant qu'il était malade, il meurt. Et l'enfant revient à la vie, il n'est plus malade. En réalité, il pouvait quand même avoir encore la malaria. Donc, vous allez comprendre une chose. Que notre Dieu, lorsqu'il guérit, s'il y avait plusieurs maladies dans ton corps, et qu'il y a une malade seulement qui se manifestait, lorsqu'il te guérit, il guérit tout ce qu'il y avait dans ton corps. Alléluia. Amen. Et là maintenant je déclare pour toute personne que l'Éternel a guéri, et que la personne présentait un seul signe, mais tout ce qu'il y avait dans son corps est régénéré au nom de Jésus. J'avais dit le vendredi, si pas vendredi, le jeudi je crois, il faut aller à l'hôpital, vous faire examiner. Si tu es complètement guéri, tu viens avec le résultat. S'il y a une partie qui reste, reviens ici. L'Éternel va te guérir complètement. Yahweh akoba kobiki sayo mobimba. Alléluia. Alléluia. Là, c'était une parenthèse pour qu'on puisse rire un peu. Comment les femmes pleurent lorsqu'il y a un cas de décès. Toi, tu ne pleurais pas? Toi, tu n'avais pas pleuré ce jour-là. Explique. Alléluia. C'est un homme de foi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, Jésus avançait avec ses disciples. Avance. Il avance. Et voit maintenant ce cortège. Certainement, il a posé la question peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme la concernée très souvent prie plus, pleure plus que tous les autres. C'est comme l'exemple de maman Esther. Tu vois, elle-même jouait au 9 et il y avait un qui jouait le 10 et l'autre faisait le 8. Et Jésus a détecté que c'était cette maman-là. Elle a dit, femme, ne pleure pas. Imaginez, toi tu pleures. Au lieu que quelqu'un vienne pour te dire, vraiment, mais il te dit, femme, ne pleure pas. Et si quand moto aya pona ko ba ko bondi sayo, kasiya lobi te moi si ko de la te. Je voudrais dire à une personne ce matin. Na ngi ko ebi sa moto moko kat na esika. Je ne te dis pas ne pleure pas, mais je te dis ne crains rien. Na comme ça te ko la te kasi na dali ko sonde ko banga te. Ne crains rien. Ko banga eloko moko te. Jésus va regarder, il va demander qu'on ouvre le cercueil.
Regarde, elle voit la fille. Atali amoni elenge mwasi. Et elle dit à la fille, lève-toi. Pe alobi elenge mwasi tele mayo. Et la fille s'est relevée. Bongo elenge mwasi a tele. Il a pris la fille. Akamate elenge mwasi. Il a donné à cet homme. Je veux dire à une personne maintenant. Naniko bisa moto moko sasa tout ce qui paraissait déjà dans ta vie mort. Non so baraki ko ba kotali sa manaba mon lokola e kufa. Je déclare que tout ce qui était perdu revienne. Et je prends maintenant dans l'invisible. Ce que Dieu avait prévu pour toi. Je te le remets au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Tu reçois ta santé au nom de Jésus. Tu reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Tu reçois le projet que Dieu a formé pour toi au nom de Jésus. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est venu pour visiter son peuple. Il nous visite comment? En nous faisant du bien, en donnant la vie là où il y avait la mort. Lui-même a dit que le Fils de l'homme est venu pour que ce peuple puisse avoir la vie. Et quelle sorte de vie? Une vie réelle et abondante. En fait, dans tous les domaines de ta vie, là où les choses n'allaient pas, je déclare maintenant que ça marche comme dans les roulettes. J'étais en train de réfléchir sur Jésus-Christ. J'ai compris une chose. Si nous venons dans la présence de Dieu et que nous rentrons tels que nous sommes venus, soit c'est moi qui ne suis pas appelé, soit Dieu n'existe pas. Alléluia. C'est clair. Lui-même il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Alors, moi je viens, je suis fatigué. Et que je rentre fatigué. Ça n'a pas de sens. Et moi, je le confirme et j'ai compris. C'est quelque chose qui est venu dans ma vie. Dans ma réflexion avec le Seigneur, que personne ne peut venir au Seigneur malade et qu'il rentre malade. Parce que Jésus-Christ lui-même, il l'a dit. À moins qu'il réserve ça pour lui-même. Mais il l'avait dit. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il vous dira des choses qui viendront de moi. Et le Saint-Esprit est déjà venu. Comment moi qui suis baptisé dans le Saint-Esprit, à chaque circonstance, je suis rempli dans le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit n'agisse pas. C'est impossible. C'est impossible. Ah, je te pousse aujourd'hui à te révolter. Ce que je dis, je ne le dis pas pour moi-même. Car la Bible dit, dans notre première lecture, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Bon, une vérité que nous aussi les pasteurs, des fois nous voulons faire croire aux fidèles que c'est nous-mêmes qui avons toutes ces choses. J'ai dit nous les pasteurs. Souvent nous voulons faire croire aux fidèles que c'est nous qui avons toutes ces choses là. Ce qui est vrai, celui qui est appelé, il est loin. Amen. Amen. Il a une particularité. Ce qui fait ma différence avec vous. Mais là, si vous ne bénéficiez pas de la grâce qui est en moi, il n'y a que deux choses. Soit tu n'obéis pas la parole qui sort de ma bouche venant de Dieu. Soit tu es la personne qui m'accepte jamais. La Bible dit, lorsque vous allez au Seigneur, vous serez affermé. Mais à son serviteur, vous serez guéri. Alléluia. En fait, sachez-le à partir de maintenant. Tu ne verras jamais Dieu descendre pour te guérir. Tu ne verras jamais Dieu descendre pour te donner une bénédiction. Le jour où tu le verras, tu meurs. Et pour toi ici, il utilise le pasteur Manassé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Intériorise ça. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui viennent ici, ils me répètent cette chose. Ils me disent toujours, homme de Dieu, tu as l'alliance avec Dieu. Et il y a une forte bénédiction en ce lieu. Il y a une grâce particulière en ce lieu. Mais seulement, les personnes qui sont dans cette église, ils sont distraits. Il y a de ceux-là qui ne s'engagent pas. Ils confondent ce qu'eux font avec les choses de Dieu. Des fois, quand ils sont ici, ils sont comme s'ils sont enfants de Dieu. Mais lorsqu'ils sortent, ils sont d'autres personnes. Alléluia. Amen. Mais moi, je vais faire quoi maintenant? Je t'annonce l'évangile. Je t'annonce l'évangile. Accepte la parole du Christ. Tu vas être ressuscité. On me dit, dans cette église, il y a de ceux qui sont assis par terre et les autres sur le chaise. Ça devient compliqué. Bon, une chose est vraie que moi-même je comprends aussi. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. Alléluia. Amen. Ceux qui sont assis par terre, ce sont les enfants du diable. Alléluia. Mais comme celui qui est à moi est plus grand que leur père, je vais le prendre. Et je vais le faire asseoir sur une chaise. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que tous parviennent à la vie. C'est comme ça que Jésus-Christ vient te visiter pour qu'il te donne la vie.
avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ésaïe 53 nous dit que nos souffrances lui a porté ça. Nos maladies lui a porté ça. Les malédictions qui étaient nôtres lui a porté ça. Et maintenant lui vient pour que toi tu puisses avoir la vie et que tu n'arrives pas à avoir la vie, c'est que lui n'a pas apporté ça. Or moi je crois la parole du Christ qui est la parole de vérité. Hier j'étais quelque part avec mes cousins, on parlait. On parlait des choses de Dieu, ils discutaient. Moi, je le regardais, je ne parlais pas beaucoup parce que bon, j'étais allé, il y a mon oncle qui était décédé, on l'a enterré hier. Alors, moi, j'étais dans l'attitude d'aujourd'hui. La raison pour laquelle, des fois, quand vous m'invitez samedi, c'est difficile que vous puissiez me voir. Vous risquez d'être déçu. Alléluia. Alors, il y a un de mes cousins qui parlait en sa manière. L'autre aussi parlait. Alors moi je les écoutais. Entre les deux, l'un d'eux ne croyait pas à la Bible. L'autre croyait à la Bible. Alors ils discutaient. J'ai intervenu. J'ai dit tout simplement, ça ne sert pas de continuer. Parce que tout ce que toi tu dis, lui ne peut pas croire à cela. Parce que lui ne croit pas à la Bible. Il ne va pas l'accepter. On parlait de la création. Pour l'autre, tous deux des gens intelligents. Mais l'autre intelligence avec la Bible. L'autre c'était la science. Il expliquait ces choses selon la science. Et après j'ai dit, ça ne sert pas qu'on arrête cette discussion. Je n'avais pas dit tellement arrêter parce que ce sont mes grands frères. J'ai essayé de dire de façon que qu'on laisse tout simplement cela. Alors j'ai posé la question à celui qui ne croyait pas à la Bible. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Il dit oui. Pourquoi tu avais lu ça? Non, je lis ça comme un livre. Ah, je dis, c'est une très bonne chose. Tu as lu ça comme un livre. Ok, toi tu es ingénieur, non? Yo, odali, ingénieur. Est-ce que tu crois à ce qu'on t'avait enseigné à l'université? Et ozali, kondimana, oh, bah, yabaka, kwa, bakote, na, ete, lo, alikolo. Il dit oui. Alobi, iyo. Ah, c'était des livres, non? Oui. Mais comment tu as cru à ces livres-là? Mais parce que c'est écrit, et j'ai cru à cela, j'ai vécu ça. Mais tu avais dit ici que tu lis la Bible comme un livre. Maintenant, comment tu dis que... Oh non, bon, je crois que Dieu existe. J'ai dit, c'est un début, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Tous ceux qui peuvent nous arriver, en tant qu'enfants de Dieu, dépend de nous-mêmes aussi.
S'il plaît. Dépend de nous-mêmes aussi. Yango etali ko ba kotale na biso moko. Si tu veux la guérison. Soki oligi lo biko yanzo. Si tu veux la réussite. Soki oligi kolonga. Si tu veux la délivrance. Soki oligi bokango la. Si tu crois à la parole de Dieu. Soki ondimi lo bana nzambe. Tu vas vivre cela. Okobika makambo wana. Amen. Amen. Il y a maman Amba qui a témoigné, c'était le vendredi. Vous savez, pendant qu'on avait ce jour de prière, le diable s'est trompé d'adresse, il est venu vers moi. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec mes pieds, je ne sais même pas. Alors je lui il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors Satan avec ses adeptes qui sont des esprits mauvais, or moi je n'agis plus avec le corps, je n'agis plus, j'agis toujours en esprit. Et comme eux sont esprits, nous nous battons entre nous les esprits. Alléluia. Amen. Nous nous battons entre nous. Eux ils ont un esprit. Moi aussi j'ai un esprit. Parce que moi, ce n'est pas mon corps ici. Alléluia. Amen. Moi, c'est mon esprit. J'ai dit le vendredi, Jésus-Christ, après sa mort, on veut le toucher, il dit ne me touchez pas. Parce qu'il était esprit. J'expliquais, j'ai dit pourquoi il était esprit. Il pouvait traverser le mur. Alléluia. Les disciples étaient enfermés, non? Ils ont vu Jésus apparaître. Toi, viens, mets ta main sur la plaie. Je vais t'expliquer maintenant que tu comprennes que toi, ce n'est pas ton corps. Entre maintenant dans ta chambre, tel que tu es là. Entre, vois ta chambre, entre dans ta chambre. Qui a vu sa chambre maintenant? Qui a vu sa chambre? Mais ton corps est où? Ici. Mais ton esprit est où? Dans ta chambre. Alléluia. Amen. Tu as compris? Tu as compris? On se alléluia. Amen. C'est mystique, hein? Alléluia. En fait, notre esprit, Ephésiens 6 dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les esprits. Et puis, quelqu'un peut dire, ils sont dans les airs. Mais mélange-toi avec ton corps. Comment tu vas monter là-bas pour te battre avec Jésus? Alléluia. Amen. Donc c'est ton esprit. C'est ton esprit. Maintenant, pour que tu sois fort en ton esprit, il faut que tu puisses avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu deviens fort. Maintenant, à chaque circonstance, tu invoques la plénitude. Alléluia. Amen.
à chaque plénitude correspond à un problème qui est présent. Alléluia. Amen. S'il faut que les morts reviennent à la vie, c'est la plénitude au niveau de la mort de ces personnes reviennent à la vie. Si c'est un problème de guérison, miracle, il y a la plénitude à ce niveau-là. C'est comme ça que lorsque j'avais mal, c'était un petit truc. J'ai dit seulement quitte. Alléluia. Et il est parti. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu visite son peuple. Et lorsque Dieu visite son peuple, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Là où les choses ne marchaient plus, en réalité, ça doit marcher. Mais pourquoi je dis là où les choses ne marchaient plus? Voilà. La Bible dit, la Bible que moi je crois, Dieu a créé chacun de nous avec un projet de bonheur et non de malheur. Il dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Lorsque un malheur arrive, et pendant, c'est Dieu qui, quand Dieu vient te visiter, surtout quand Dieu te visite, et que le diable commet l'erreur, en ce même moment-là qu'il vienne pour rencontrer le Seigneur en toi, c'est là où vous voyez les gens tomber, l'esprit tourmenter, laissez-moi tourmenter, ils partent. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a donné la vie à cette fille qui était morte. Laisse que Jésus te donne la vie. Laisse que Jésus te donne la vie. Il ne faut plus avoir crainte de quoi que ce soit. La peur n'est pas notre apanage. Non, ce n'est pas notre apanage. Ce n'est pas pour nous. Amen. Quoi? Papa Ilon, difficile en Lingala. Acclamons Jésus. La peur, c'est pour le diable. Mais nous, c'est la force. Nous, c'est la puissance. Nous, c'est la victoire. À aucun moment, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir peur. Écoutez, vous savez pourquoi je vous ai donné cet exemple de Maman Esther? Parce que c'est pareil avec l'histoire de cette veuve qui avait perdu sa fille. Comme Jésus avait dit, croyez au moins à mes œuvres. Ce qui se fait aujourd'hui dans votre vie, si c'était dans une autre ville, tous allaient être convertis. Alors, ce que je voudrais dire, quoi? Ce que Jésus faisait, les apôtres ont fait cela, nous aussi nous vivons cela et nous le faisons au nom de Jésus. Alors, si dans cette église,
l'église. Un enfant qui devait être enterré n'a pas été enterré. Cet enfant est revenu à la vie. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. À plus forte raison, toi qui n'est même pas encore prêt à être enterré. Peut-être c'est juste en début de maladie. Peut-être c'est juste en début de souffrance. Je déclare, si tu crois à cela, déclare toi-même sur ta vie que tu es guéri au nom de Jésus. Déclare sur ta vie que tu es libre au nom de Jésus. Déclare dans ta vie, tu n'es plus esclave dans le nom de Jésus. Car l'esclavage n'est pas pour nous qui sommes enfants de Dieu. Si Dieu t'a appelé à la parole divine, il sait pourquoi il t'a appelé à la parole divine. Si tu es venu là aujourd'hui, Dieu sait pourquoi il t'a appelé aujourd'hui. Alors reçois ta bénédiction. Reçois ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu ne peux jamais rentrer tel que tu es venu. Ce Dieu est vivant. Il nous donne la vie. Il nous aime. Il nous fait de bonnes choses. Il ne permet jamais que nous puissions tomber, que nous puissions être enterrés, parce qu'il y a des gens qui l'ont déclaré. Je le refuse au nom de Jésus. Dans cette église, seul le projet que Dieu a formé sur chacun de vous, seuls ces projets qui vont être réalisés. Même si tes ancêtres ont commis de péchés, on a commis de bavure. La Bible dit, la malédiction va de génération en génération. Mais moi je déclare, à partir de toi, la Bible dit, par un seul Adam, la mort est entrée sur la terre. Par le seul Adam, Jésus-Christ qui est venu, la vie est venue. Je te déclare maintenant le deuxième Adam. Je te déclare le deuxième Adam. Je te déclare le deuxième Adam. Je te déclare le deuxième Adam. À partir de toi, la vie revient dans ta famille. La vie revient dans tes activités. La vie revient dans ton entourage. Tout le monde foulera la plante de tes pieds, te sera donné au nom de Jésus. Si tes ancêtres ont commis le péché, il y avait la malédiction. À partir de toi, il n'y a plus de malédiction. C'est la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est souvent. On nous dit, c'est notre grand-père, c'est notre arrière-parent. Oui, je ne disconviens pas. C'est une vérité. C'est lui. Mais je sens une chose. Un jour, il y avait Adam qui avait désobéi à Dieu. Et un jour, il y avait Jésus. Alléluia. Qui avait obéi à Dieu? Parce que tu fais partie de l'alliance de Jésus-Christ. Qui a obéi à Dieu? Toutes les malédictions qui avaient trait à Adam tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il a fait cette déclaration à Abraham. Mais ce n'était pas par Abraham, mais c'était par Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Exerce le pouvoir que tu as comme enfant de Dieu. Exerce ce pouvoir. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et la vie. Je déclare, parce que toi, tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, reçois ta vie. Reçois la vie.
Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Dieu ne nous a pas créés pour des morts, comment on dit, prématurés. La Bible dit, vous devez vous rassasier de vos jours sur la terre. Vous devez vous rassasier de vos jours sur la terre. S'il y avait un pacte, le pacte disait que votre famille à un certain âge doit partir, ou de votre famille les gens doivent mourir, ils ne vont pas se rassasier de leurs jours. Toi, je te le déclare, à partir de toi tu vas te rassasier de jours, et tous ceux qui sont avec toi maintenant, au nom de Jésus Christ, au nom de Alléluia. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Il donne la vie. Il est venu nous visiter. Et lorsqu'il nous visite, si toi, un président de la République. Non, président, c'est encore trop loin. C'est un directeur. T'invites dans son bureau. Même s'il ne t'invite pas, de toi-même, tu passes, tu te rends compte qu'il y a ton frère qui est là-bas, il est directeur. Tu viens à la réception. Tu remplis l'audience. Ton frère regarde. Avant même que tu n'entres, il commence à vérifier ses poches s'il a l'argent. Et quand tu entres, il te donne les transports. Maintenant, notre thème d'aujourd'hui, Dieu a visité son peuple. Si tu rencontres un directeur ou un président de la République ou un ministre, il te donne les transports. À plus forte raison, notre Dieu. À plus forte raison, notre Dieu. À plus forte raison. Oui, je te détache maintenant de l'arbre de la connaissance de le bien et du mal. Je t'attache à l'arbre de vie pour que tu sois visité par Dieu. Que Dieu te visite et que les choses changent dans ta vie. Et que tu deviennes réellement une nouvelle créature créée à l'image de Dieu. Et tu deviens à sa ressemblance. Lorsque tu marches, on voit que celui-là, la lumière, il y a le feu sur la tête. Je déclare que le feu reste allumé sur ta tête. Que le feu reste allumé sur ta tête. Que le feu reste allumé sur ta tête. Partout où tu passeras. Pendant ce mois de novembre qui commence, pour arriver au mois de décembre, nous avons eu à déclarer cette année l'année de grâce. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Et que le feu reste allumé sur toi. Vous savez, le diable Satan ne supporte pas le feu de l'Esprit. Il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Akokakate. Seigneur, tu m'as visité par le feu. Nkolo, okuta nanga na moto. Je t'ai toujours demandé ce que tu fais pour moi, que tu fasses autant pour des personnes que tu as envoyées dans cette église. Laisse que le feu qui m'a visité, que ce feu visite ton peuple maintenant. Que le feu de l'Éternel te localise. Que le feu de l'Éternel te saisisse. Seigneur, laisse que le ciel s'ouvre et que tu descendes dans ta gloire. Car je sais une chose.
lorsque tu te manifestes par le feu. Que le feu brûle maintenant sur toi. Que le feu brûle maintenant sur toi. Que le feu brûle maintenant sur toi. Que le feu brûle sur toi. Que ce feu te localise. Que ce feu t'accompagne. Partout où tu passeras. Lorsqu'on te regardera, qu'on ne te voie pas. Qu'on te voie que tu es enveloppé par le feu. Qu'on voie le feu en toi. Qui brille. Que le feu brûle sur ta tête. Reçois cela. Reçois cela. Oui, Seigneur, le feu qui est allumé sur moi maintenant, Seigneur, que ce feu s'allume sur ton peuple. Car nous avons reçu le même esprit venant de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Alléluia. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te visite.
enfants de Dieu. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite et te localise. Que le Seigneur te visite et te localise. Que ton sang Jésus pénètre ses veines et qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu avais déjà déclaré sa guérison. Je confirme sa guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je confirme sa guérison. Au nom de Jésus, rekebibiro de Shikara Baba. Ce n'est que c'est toi qui guéris. C'est toi qui donnes la paix, la joie. Il n'y a plus de relation entre elle et son passé. Dans son mariage et dans sa famille. Seigneur, que par elle, toutes les condamnations tombent et soient annulées. Au nom de Jésus. Donne la joie et la paix. Merci Jésus. Seigneur, Seigneur, tu es Dieu. Je coupe ce lien entre ton enfant et le monde visible. Dans le nom de Jésus. Il n'y a plus de relation entre les mondes. Je refuse cette visitation dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Seigneur, que le feu soit allumé et que le feu brûle sur sa tête. Je coupe tout le lien avec le monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Alléluia.
Je te donne l'ordre de quitter cette famille et de quitter ce corps. Je menace la maladie cardiovasculaire sur ce corps. L'hypertension, je te donne l'ordre de quitter ce corps au nom de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu soit avec toi. Ce jour où tu visites tes enfants, Seigneur. Je crois à ta parole. Par le mandat que tu m'as donné, Seigneur. Par la délégation du pouvoir que tu nous as donné, Seigneur. Que tout ce que nous demanderons à ton nom, Jésus, nous sera accordé. Je demande, ô Dieu, le renouvellement de l'intelligence dans cette église. Le renouvellement de l'intelligence dans cette église. La régénération, Seigneur. Le renouvellement de l'alliance, ô Dieu. Ô
Seigneur, que tu leur donnes la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie, devant chaque situation qui se présente devant eux. Pour ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, Seigneur, toi, tu veux que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit, que tu le baptises. Au nom de Jésus. Je le déclare à ton nom, Seigneur Jésus, que les malades reçoivent leur guérison, que les opprimés soient renvoyés libres, que les esclaves soient libres. Plus de malédiction dans la vie de tes enfants. Toutes les paroles de malédiction qui ont été déclarées dans leur vie, j'annule cela. Et je déclare ta bénédiction sur la vie de chacun d'eux. Balise leur chemin. Marche avec eux, car tu es Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fit livrer, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. Le pain que nous allons manger représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été flagellé et brisé avant et pendant sa crucifixion. Et la coupe représente son sang versé. Oui, c'est l'amour de Dieu pour nous en nous donnant son Fils Jésus-Christ comme ration. Voilà pourquoi tout celui qui va participer à la table, comme Christ était plein de vie et de santé, avant qu'il ne soit crucifié, avant qu'il ne soit flagellé, avant que son corps ne puisse être blessé, que cette vie qu'avait le corps de Christ après sa résurrection et avant sa crucifixion soit la vie de chaque personne qui va participer à la table du Seigneur. À la croix, le Seigneur a pris nos maladies, nos infirmités. Que nous puissions marcher dans la santé divine. Amen. L'Éternel est depuis le commencement. Il nous a aimés et il continue à nous aimer.
Seigneur. Tu nous as recommandé, oh Dieu, de faire ceci en mémoire de toi. Laisse que, oh Seigneur, revienne à la vie. Et cela de sa vie. Seigneur, cette coupe est la coupe de l'alliance. Laisse que, oh Dieu, toutes ces personnes qui vont participer de cette coupe nouvelle, que Dieu soit bien ensemble, nouvelle. Ton sang Jésus nous justifie, nous purifie, nous sanctifie et nous protège. Car tu as dit, si tu ne manges pas mon corps et tu ne bois pas de mon sang, tu n'auras pas la vie. Laisse, ô Dieu, ton corps qui est symbolisé par ces pains rompus et ton sang qui est symbolisé par cette coupe, donne la vie à tes enfants. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Qui participent à la table du Seigneur. Na na, posso só para matar isso aí. Tem veneno.
Le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles.